Alors dans cette vidéo on va essayer de s'entraîner à additionner des nombres négatifs et à bien comprendre ce qu'il se passe. Alors je te propose de commencer avec cette addition-là, moins 11, moins 11 plus moins 3. Alors pour ça, pour bien comprendre ça, on va utiliser la droite numérique que j'ai placée ici. Donc je te rappelle, c'est une droite quand on se déplace vers la droite, on a des nombres de plus en plus grands. Ici, c'est le 0. Et donc, à gauche du 0, on a des nombres négatifs. Et à droite du 0, on a des nombres positifs. Alors, je vais essayer de matérialiser, de représenter cette opération-là sur la droite numérique. Et pour ça, je vais commencer par regarder ce que c'est que moins 11. Donc, moins 11, c'est comme si je me déplaçais de 11 unités vers la gauche, hein, par là. Alors là, je n'ai pas mis de graduation, j'ai fait exprès, hein, c'est juste pour qu'on utilise cette droite, pas de manière précise, mais de manière intuitive. On va donc se déplacer de 11 unités vers la gauche. Alors je peux faire comme ça, je pars de 0 et je me déplace de 11. Voilà. Donc moins 11, ça me fait arriver ici. Donc là, c'est le nombre moins 11. Et puis ensuite, je dois lui additionner le nombre moins 3. Alors je vais représenter ça comme ça en me disant, bon, si je dois faire moins 11 plus moins 3, eh bien je vais d'abord me déplacer de 0 à moins 11, donc par ici, de 11 graduations vers la gauche. Et puis ensuite, à partir de là, je vais encore me déplacer de moins 3. Donc comme moins 3, c'est un nombre négatif, je vais encore me déplacer par la, vers la gauche. Donc ça, je peux le représenter comme ça. À partir de là, je me déplace de moins 3. Donc ça me fait arriver, voilà, je fais ça au jugé, hein, comme ça, ça me fait arriver ici. Alors là, je vais juste interpréter, comme ça, sur la droite numérique. Je vais pas calculer le résultat de cette opération. Peut-être que tu as une idée. Si c'est si le cas, c'est très bien. Là, on va faire un autre exemple. On va faire, par exemple, cette opération-là, moins 11 plus 3. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter ça Eh bien, on a déjà le nombre moins 11, hein, qui était qui nous fait arriver ici. On part de 0, on se déplace de 11 graduations vers la gauche. Hein, et on arrive ici. Et puis ensuite, je dois faire non pas plus moins 3, mais plus 3. Plus 3, c'est que je dois me déplacer à partir d'ici, de 3 unités, mais pas vers la gauche, cette fois-ci, vers la droite, hein, puisque c'est le nombre 3 qu'on ajoute. Donc je vais représenter ça comme ça. Voilà, c'est une flèche de la même longueur que celle-ci mais dans le sens inverse. Et j'arrive donc ici. Alors on peut remarquer quand même quelque chose, c'est que tout à l'heure j'ai fait moins 11 plus moins 3, j'arrive à gauche du 0, hein, c'est-à-dire que j'obtiens forcément un résultat qui est négatif et qui est même plus petit que le nombre moins 11. Donc si je pars de moins 11 et que j'ajoute un nombre négatif, je vais obtenir un nombre plus petit que moins 11. Par contre là, on a moins 11 plus 3, donc on a moins 11, on arrive ici, et ensuite on, re, on se redéplace de plus 3, donc ça c'était ce, ce, ce nombre-là hein, qu'on a représenté ici, et tu vois que du coup on revient vers la droite, et ici on est toujours à gauche du 0, donc on obtient toujours un nombre négatif, mais il est plus grand que moins 11. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si on prend par exemple 11, cette fois-ci, pas moins 11, mais 11, plus moins 3. Alors le 11 qui est là, je vais le représenter ici, c'est un nombre positif. Donc je vais me déplacer de 11 graduations à partir du 0 vers la droite, cette fois-ci. Et donc je vais arriver à la même distance que ce point-là, mais de l'autre côté. Donc je vais le faire, voilà, à peu près... Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est plus 11 ici. Et à partir de là, on doit ajouter le nombre moins 3. Et on sait que le nombre moins 3, en fait, ça correspond à se déplacer de 3 graduations vers la gauche. Donc, partant d'ici, on revient en arrière de 3 graduations. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. À peu près, on arrive ici. Alors bien sûr, si tu arrives à faire les calculs et à déterminer effectivement le résultat de toutes ces opérations, c'est très bien. Mais là, je vais continuer. Maintenant, on va regarder cette opération-là, 11 plus 3. Alors, le 11 qui est là, on l'a déjà représenté ici. Hein. On arrive à ce point-là. Et, et puis, je dois ajouter 3. Donc, à partir de là, cette fois-ci, je vais me déplacer de 3 graduations, mais toujours vers la droite. Donc je vais faire ce trajet-là comme ça et je vais arriver ici. Voilà, là pour l'instant tout ce qu'on vient de faire, ce n'est pas des calculs, mais c'était juste pour essayer de te faire comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire ces additions-là. Maintenant, je pense que tu es très impatient de pouvoir vraiment le faire, c'est-à-dire vraiment trouver le résultat de ces quatre opérations. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est prendre une droite numérique vraiment graduée. Et donc on va reprendre nos opérations. Donc la première, c'était moins 11 plus moins 3. La deuxième, c'était moins 11 plus 3. Ensuite, on avait 11 plus moins 3. Je les remets ici. Et puis ici, 11 plus 3. Alors, je vais aller un petit peu vite. Pour la première, on avait commencé par dire moins 11. Alors, moins 11, je pars de 0 et je me déplace de 11 unités vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais arriver ici. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Moins 11. On arrive là. Et puis ensuite, on doit ajouter moins 3. Et on avait dit que ça correspondait à, à partir d'ici se déplacer encore de 3 unités vers la gauche. Donc on arrive là. Voilà. Une unité, 2 unités, 3 unités. On arrive ici. Donc c'est exactement le dessin qu'on a fait tout à l'heure avec les précisions données par les graduations. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut compter le nombre de graduations pour trouver le résultat. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 graduations et on est à gauche du 0. Donc ici, c'est moins 14. Ce qui veut dire que le résultat de ce calcul, moins 11 plus moins 3, c'est moins 14. Et tu vois qu'on a une somme de deux nombres négatifs et le résultat est négatif aussi. Alors ensuite, celui-ci, moins 11 plus 3. On avait dit que ça correspondait à partir de moins 11, c'est-à-dire partir d'ici, et puis ajouter 3. Et 3, on avait dit que ça correspondait à se déplacer de 3 unités vers la droite cette fois-ci. Donc à partir d'ici, on doit se déplacer de 1, 2, 3 unités. On arrive... Ici. Alors ici c'est moins 5, donc ça c'est moins 6, moins 7, moins 8. Ici c'est donc moins 8. Donc ce calcul là il est égal à moins 8. Alors ensuite on va regarder celle-là, donc 11 plus moins 3. Donc on commence par représenter 11. Donc partant de 0 on se déplace de... 11 unités, alors là j'en suis à 10 et donc ça c'est 11, j'arrive ici. Et puis ensuite il faut ajouter moins 3 et on avait dit que ça revenait à revenir en arrière de 3 graduations, donc à partir d'ici on se déplace de 1, 2, 3 graduations et on arrive là. Alors ici c'est 5, donc ça c'est 6, 7 et 8, donc ça c'est 8, ce qui veut dire que 11 plus moins 3 c'est égal à 8. Ensuite, dernière opération, alors c'était celle-là, 11 plus 3, donc on part de 11, ce qui était ici, et on ajoute 3 ici, ce qui correspond à se déplacer à partir d'ici de 3 graduations vers la droite. Donc 1, 2, 3, on arrive ici. Et ici c'est donc alors, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Donc cette opération-là est égale à 14. Et tu vois que là, on a une addition de deux nombres positifs et ça donne évidemment un nombre positif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. A bientôt